Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait : Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous qui avons entrepris ce projet audacieux que d'apprendre à mieux connaître saint Joseph grâce à l'évangile du premier mercredi de chaque mois de l'année jubilaire, nous voici bien servis. Bien sûr, parce que cet évangile nous ramène à Nazareth. Mais surtout parce que cet évangile, dans un grand cri qui est un silence, ne nous parle que de saint Joseph. Vous voyez, il en est toujours ainsi avec lui. On s'approche sans le remarquer. On entend parler de lui, mais un peu comme un bruit de fond auquel il est difficile de s'attacher. Et on reste préoccupé par nos propres recherches, par nos centres d'intérêt. On se dit, que se passe-t-il là ? Jésus est à la synagogue, il prêche avec autorité, les gens s'interrogent. Le drame est bien plus en profondeur. D'abord, il s'agit bien, non pas d'une lubie du prédicateur, mais d'un enseignement de l'Évangile. Quand on nous dit, dès l'entrée, que Jésus retourne dans son pays d'origine, que Jésus retourne dans sa patrie. La patrie est la terre de son père. Et je prends le père au singulier. La terre de saint Joseph, que saint Joseph a choisie pour y établir son foyer.
Joseph, fils de David. Il ne s'agit pas d'une image de la paternité céleste ou de quoi que ce soit. Non, c'est la terre concrète où Joseph, fils de David, s'est installé. Car le pays de sa maison, c'est Bethléem. La patrie de David, c'est Bethléem. En désignant Nazareth comme la patrie de Jésus, l'évangéliste nous demande de regarder le mystère de Saint Joseph. Saint Joseph, le grand absent. Comme toujours, comme souvent. Le jour du sabbat, le jour de Dieu, le jour où l'homme imite le Père éternel. Jésus se mit à enseigner dans la synagogue avec autorité. Et on s'interroge. Ces questions, dans un premier temps, pourraient ne pas arrêter notre attention. Peut-être même que, dans un excès de bonté, nous pourrions estimer qu'elles sont bienveillantes. D'où cela lui vient-il ? On a déjà entendu cette question plusieurs fois dans l'Évangile. Par exemple, Élisabeth. D'où me vient-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? S'ensuivit une effusion de l'Esprit Saint, ce qui n'est pas rien. D'où cela lui vient-il ? D'où lui vient cette sagesse et ces miracles qu'il réalise par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques ? Mais là, excusez-moi, mais c'est une gifle en plein visage. Comment ça ? N'est-il pas charpentier ? Ah, si, certainement, il l'est. Mais les intentions, la noirceur du cœur de ceux qui s'interrogent ainsi est trahie. Leur refus de croire se dit dans cette question. Car il est en débat de savoir si Jésus est un prophète. On nous dit d'abord qu'il est charpentier. Oh, bien sûr, le bon Dieu appelle qui il veut. Mais enfin, on connaît l'Ancien Testament. Le bon Dieu a suscité des prophètes parmi des hommes qui étaient derrière leurs troupeaux, qui étaient dans leurs champs, qui étaient dans leurs vergers. A-t-on jamais vu un charpentier devenir prophète ? Quand on est charpentier, est-on prophète ? Soyons sérieux. Méfions-nous de l'utilisation de la raison pour masquer notre refus de croire. Ça nous revient toujours à la figure comme le manche d'un râteau sur lequel on marche. On entend en arrière-fond de cette objection la question, et celle-ci fut très sincère, de Nathanaël. Que peut-il sortir de bon de Nazareth ? Si Dieu n'a jamais suscité de prophète parmi les charpentiers, et pourquoi pas aujourd'hui ? Mais le pire est à venir. Le fils de Marie. Non mais vous vous rendez compte ? Vous saisissez la violence de cette injure ? N'est-il pas le fils de Marie ? On pourrait dire, oh ben j'étais au catéchisme, j'en ai pas retenu grand-chose, mais au moins ceci, que Jésus est le fils de la Sainte Vierge, enfin tout de même. Oui, bien sûr. Mais dans l'Antiquité, on se réfère toujours à son père. Dire d'un homme qu'il est le fils d'une femme, c'est dire que sa mère est une femme de petite vertu, voire qu'elle a vendu ses charmes et qu'il est le fruit accidentel de ce commerce. Dire de Jésus qu'il est le fils de Marie, c'est dire que sa mère est une moins que rien et qu'il en est à, il est à son image. Il ne vaut rien, lui non plus.
Et le frère de Jacques et de José et de Jude, enfin tous ces gars-là au village, on les connaît, enfin, on les connaît trop bien. Y en a-t-il un qui se distingue? Enfin, excusez-moi, ça se saurait, on l'aurait remarqué, on les connaît, depuis qu'ils sont nés. Et là, c'est pareil, je ne vous renvoie pas à votre catéchisme, mais enfin, vous pourrez reprendre vous-même cette courte litanie. Je m'arrête juste sur Jacques, premier évêque de Jérusalem, excusez-moi. Mais bon, ça c'est un détail. Vous voyez où on en est? La question, d'où cela lui vient-il, est une question qui dit non. Non à l'origine, non à la source, non à Dieu le Père. D'où cela lui vient-il est une affirmation d'un refus de croire que Jésus est le Fils du Très-Haut. Et on lui reproche tout ce qu'il est, on lui reproche tout ce qu'il dit. On ne veut pas que ce qu'il dise soit inspiré. On ne veut pas que ce qu'il enseigne vienne du Père. D'où lui vient cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qu'il réalise par ses mains. Le voilà qui devient médecin, mais il se prend pour un médecin. Mais d'où sort-il celui-ci? Le charpentier. Ne pouvait-il rester à son établi? La violence de celui qui refuse de voir Dieu pour Père s'exprime dans le silence fait sur Saint Joseph. Vous vous rendez compte des implications pour notre vie spirituelle? Bien sûr, il y a toutes les conséquences les plus immédiates. Elles ne doivent pas échapper à notre examen de conscience. C'est d'abord le refus d'abandonner la mainmise sur des frères. Le refus qu'ils soient autre chose que ce qu'on sait d'eux. Le refus qu'ils se conduisent autrement que ce qu'on a prévu pour eux. Prévu parce que jugé depuis bien longtemps. Et que chaque fois qu'on les entend, chaque fois qu'on les voit agir, on ne cherche pas à découvrir ce qui se manifeste du don de Dieu par eux. On cherche juste la confirmation de ce qu'on a déjà établi. Oh ben celui-là, on le connaît si bien. Il n'y a plus rien à apprendre de lui. Mais ce sont les conséquences les plus immédiates. Il y en a de plus profondes et de plus graves, dont celles que nous venons de dire. On peut mesurer à notre attachement à Saint Joseph l'importance que nous donnons à la paternité de l'Éternel. Mais c'est vraiment très grave, parce que le Nazareth, vous comprenez, Nazareth pour nous, c'est un mot qui résonne comme Noël pour les enfants. C'est le lieu de la vie familiale, c'est l'apprentissage de la vie filiale, c'est le lieu des mystères joyeux. Et nous découvrons ce soir Nazareth qui refuse de croire, Nazareth qui se ferme à Dieu, qui refuse d'avoir Dieu pour Père, en passant sous silence la paternité de Saint Joseph. L'enseignement est donc très important, je dirais primordial pour les disciples du Christ. Vous voulez la vie filiale? Vous voulez être fils dans le Fils? Vous ne ferez pas l'économie de la paternité de Saint Joseph. Vous ne découvrirez pas comment Jésus est fils si vous n'acceptez pas qu'il est fils de Joseph aussi.
Et Jésus leur disait, parce qu'ils étaient profondément choqués, parce que leur cœur était endurci, un prophète n'est méprisé que dans son pays, dans sa parenté et dans sa maison. C'est pour nous ce proverbe. Il ne s'agit pas de tomber dans la désespérance et de se dire, ben zut, alors moi qui ai choisi de m'établir à Nazareth, moi qui ai choisi de grandir dans la patrie de Jésus, mais je suis fichu, c'est le pire lieu, alors je ne vais jamais reconnaître comme il est. Ben à Nazareth, il y avait la Sainte Vierge, et puis il y avait Saint Jacques, et etc. L'évangile de Saint Jean le dit autrement, les siens ne l'ont pas reçu, mais pour ceux qui l'ont reçu. C'est pas mission impossible. Mais alors, ça dépend de quoi ? Comment on passe d'un cœur ouvert, qui aspire à la vie filiale, qui se laisse façonner par l'esprit de Nazareth, à un cœur endurci, qui rejette la paternité, qui veut maîtriser ses frères, qui veut avoir la main mise sur lui-même et sur sa propre vocation. Il me semble, et cela aussi, c'est la fréquentation de Saint Joseph qui nous l'apprend, il me semble que la clé est la sauvegarde de notre capacité à s'émerveiller. Et c'est bien Saint Joseph qui nous l'apprend. Parce qu'un père, il faut lui faire confiance. Une confiance telle qu'on ne pense à rien de ce qu'il fait, de ce qu'il voudrait faire ou de ce qu'il pourrait faire. Je vais prendre un exemple un peu de l'ordre de l'enfantillage, mais c'est comme ça que je m'exprime le moins mal. Vous savez, ces jeux qu'on fait dans les jardins, où on prend le petit dernier et on le fait tournoyer, on l'attrape par les mains ou par les pieds, c'est bien plus drôle. J'ai essayé ça avec ma petite sœur, mais n'essayez pas, sauf si elle est prête à n'avoir plus que 31 dents. Mais enfin bref, vous prenez le petit enfant et vous le faites tournoyer. Ça le fait rire. Il adore ça. On a tous aimé ça, faire l'avion ou je ne sais pas comment ça s'appelle. On a tous aimé ça. Ou d'être envoyé en l'air comme ça et d'être rattrapé par les bras puissants de papa au dernier moment. Qu'est-ce que ça fait rire, les enfants ? On quitte l'esprit d'enfance dès lors qu'au moment où on va s'adonner à ce jeu, on dit « pas trop vite ». Pas trop fort. Je mets une limite. Eh bien, c'est fini. Le temps de l'enfance est terminé. Parce que la joie de ce jeu, elle est dans la confiance, pas dans la capacité du papa à attraper le petit bonhomme. Vous voyez, c'est exactement ça, la fin de l'émerveillement. C'est-à-dire de regarder le Père pour ce qu'il est, c'est-à-dire un Père sans s'interroger en rien de ce qu'il peut faire, pourrait faire, voudrait faire, dire, etc. C'est vraiment là un moment très important de l'intimité et de la construction de cette relation. Parce qu'alors le Père n'est rien d'autre que la source, que celui qui est à l'initiative, que celui qui est à l'origine. Et c'est tout ce qu'il y a à comprendre du Père. C'est que tout vient de lui et que tout est relatif à lui. Et ce qui fait le durcissement de ces hommes de la synagogue de Nazareth, c'est qu'ils pensent leurs frères relativement à eux. Ils ne les envisagent pas par rapport à Dieu. Dans leur relation unique avec le Père éternel. Dès lors, ils ne peuvent pas les recevoir comme un cadeau de Dieu dans leur relation propre à Dieu, l'éternel, qui est aussi leur Père. Or, c'est ça la vie filiale.
Et c'est ça la vie fraternelle. Cette capacité à voir en l'autre un fils, comme je suis fils. Et de recevoir l'autre comme un cadeau du Père, comme une image du Père, comme un signe de l'amour du Père. Nous apercevons là la croix, je dirais la passion, de toute paternité, dont le propre est de s'effacer derrière ce qu'elle donne, derrière ce qu'elle offre, au risque de ne plus être reconnue, au risque même d'être refusée, quand bien même on s'accapare ce qui est donné. Et Jésus s'étonne. Lui qui n'est que élan vers le Père, lui dont tout l'être se résume à la vie filiale, il s'étonne que nous puissions perdre notre esprit d'enfance, notre capacité à nous émerveiller, à tout reconnaître comme un don de Dieu, à nous confier pour tout et en tout à la Providence, qui est un signe de l'action du Père en tant qu'il nous aime. Alors, frères et sœurs, faisons le pèlerinage inverse, exactement l'inverse de ce que nous avons vu se dérouler dans cet évangile. Allons vers Saint Joseph. Débusquons-le du silence dans lequel nos refus de croire, nos duretés de cœur l'ont cantonné. Appelons-le de toute notre confiance, de tout notre amour filial, y compris pour ses petits jeux d'enfants, y compris pour ses petites joies du quotidien, et découvrons ce qu'il y a de plus important à voir à Nazareth. Le quotidien, la petitesse, les petits riens, les relations de proximité, la charité à portée de main. Tout ça est menacé par l'ennui, tout ça est menacé par la répétition, tout ça est menacé par un cœur qui s'alourdit. Il faut le préserver en retournant vite vers Joseph. Il faut le préserver, frères et sœurs, en l'abandonnant, en ne voulant que le Père, en ne cherchant que le Père. Et c'est ça le secret de la sauvegarde de l'émerveillement de Nazareth. Au plus on s'en détache, au plus on n'est passionné que par le ciel, au plus on comprend qu'il n'y a rien pour nous sur la terre. Au plus on accepte la paternité de Joseph et on s'abandonne à la paternité de Dieu dans le Fils, dans le Christ. Au plus on voit le quotidien, les petits riens, la charité à portée de main, relativement à l'Éternel, comme un cadeau de Dieu le Père pour chacun d'entre nous, en particulier ce petit rien-là, ce petit frère même de rien du tout, pour moi, maintenant, aujourd'hui, de la part de Dieu. On ne peut aimer l'homme, on ne peut aimer le monde dans lequel on vit, on ne peut s'attacher et trouver de la joie aux choses d'ici-bas que lorsqu'on est fermement enraciné dans le ciel. C'est le Père qui nous donne la sagesse, la réponse à la question posée dans cette synagogue. D'où cela lui vient-il? Quelle est l'origine de cette sagesse? C'est l'amour du Père qui éclaire le regard et qui montre la valeur du quotidien, d'un repas partagé en famille,
d'un apéritif avec des amis, d'une partie de pétanque un soir d'été. Tout ça est important pour notre sainteté. Dès lors qu'on a plongé ses racines dans le cœur du Père. Dès lors qu'on a laissé Saint Joseph nous instruire sur ces petits riens, nous transmettre cette sagesse qui fait que nous serons comme la Sainte Vierge, comme Saint Jacques, comme tous ceux qui, à Nazareth, partagent l'étonnement de Jésus. Comment ne peut-on pas voir que Joseph est le père de Jésus? Comment ne peut-on pas savoir qui est Jésus et ne pas mettre en lui notre confiance? Ça nous semblera inconcevable, impensable, pour cette simple raison que nous aurons pauvrement, mais simplement, choisi Saint Joseph pour père.